Allô? C'est qui? Bonsoir à tous les gars, le jeu. Hey, Mastu, ça va? Oui, bah tranquille, cousin. Alors, t'es prêt pour les Jeux Olympiques? Vas-y, choisis-moi! Incroyable. Bah, espérons qu'il y ait des jeux adaptés pour toi, du coup. Et ça marque! On coupera ça au montage, parce que c'est... A few moments later. Yes! Et tes débuts sur YouTube, c'était comment? Sur YouTube depuis à peine 6 mois. Voilà, je pense qu'il y a des personnes qui sont là depuis plus longtemps qui peuvent vous conseiller un peu mieux que moi. Voilà, il n'y a pas vraiment de conseils, à part soigner la présentation de ta chaîne, je vois pas trop ce que je peux dire. Enfin, je veux dire, je vais pas te dire d'agir de telle manière ou de faire ceci ou de faire cela. Tu fais comme tu peux. Enfin, je veux dire, c'est ta chaîne quoi. Faut juste pas lâcher et persévérer, peu importe ce que les autres te disent. Et ça a marché. Pas mal. Et dire que t'es parti de rien. C'est pratique bien aguicheur, hein. Vraiment que les gens viennent. Oh ça va! C'est parce qu'on veut, on veut vraiment devenir le youtubeur le plus célèbre, le plus populaire et le plus riche du monde. Et pour ça, il va falloir travailler dur. C'est fou quand même. Et j'ai remarqué t'as des diplômes que moi j'ai pas, du coup. Non non, j'ai vraiment eu 2 en maths avec un bac S. C'était pas glorieux on va dire. On va pas en rajouter plus, mais t'as vraiment failli te battre avec des abonnés? On prend tous. Sujet sensible, bah si tu veux on parle d'autre chose. Calme-toi, calme-toi, ils vont pleurer encore. Ok, et on a eu le permis en même temps, c'est dingue ça. On va niquer des mères. Ouais. Et tu t'es dit, allez, on va faire chier les gens. C'est pas pourquoi, je suis complètement con. Ouais, ça démarre. Allez, go niquer des mères. Je me suis inspiré de toi, je fais les choses un peu plus différemment, mais c'est tout aussi drôle. Ouais, franchement les vidéos dans ta voiture c'est les meilleures, t'es beaucoup plus drôle dans une voiture et tout. On a le permis, c'est bien. Mais toi, tes musiques en voiture, c'est quoi? Patrick, c'est Bostière. Antonas The King, elle descend de la montagne dans mon cul, là. Ah oui, c'est authentique. T'as pas un peu plus ambiancé? Et 1, 2, 3. Bien, bien beauf, quand même, hein. Tu joues à Fortnite aussi? Quoi? Ouais, je disais, ouais, cool le jeu. Bon, j'ai complètement lâché avec le boulot. Mais t'as bossé aussi au McDo, non? On va pas se le cacher, quand on veut travailler au McDo, on veut juste de la thune. On est d'accord, c'est de la merde. T'es lourd. Ça laisse des traces, hein. Ça me fait trop bizarre de me voir comme ça. Genre, franchement, c'est une expérience à faire. Nouveau, je l'encule. Non, mais après, c'est une ambiance agréable. Ah, tu t'es aussi fait arrêter par la police. Attendez, à ce qu'il me pose la question, vous avez une attestation? Ce à quoi j'aurais répondu, non, et vous? Je me serais fait arrêter. Et le flic m'a dit, est-ce qu'on peut prendre une photo? Bah, on est deux comme ça. Parce qu'elle est quand même un peu drôle. T'as essayé les expériences TikTok, non? Moi ça a fait que de la merde. Et toi du coup ça a donné quoi? Oh, let's go. Yes. Pas mal du tout. J'en profite aussi pour te dire que je t'ai envoyé un colis. Ça fait un moment que t'en as ouvert, sauf le mien. C'est bizarre un peu, non? Je m'en occuperai pour l'épisode 2. Je comprends mieux. Bon mon gars, je passe un très bon moment avec toi, mais je vais te laisser avec Patrick, Patricia et tes colis. A très vite. T'es Mastu, bye bye. Bye.